Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'actualité de Fortnite. Et plus précisément, je vais vous présenter un glitch pour contrer les grenades collantes, les potos. Donc c'est un glitch qui va peut-être être corrigé par la suite, mais je vous le présenterai en fin de vidéo. Ensuite, je vous parlerai aussi d'un Pokémon qui est apparu sur Fortnite. C'est pas du fake, vous allez voir, c'est assez what the fuck. Je vais vous parler aussi d'un nouveau mode qui a été leaké, donc on ne sait pas s'il va bientôt apparaître, mais ça a été trouvé dans les codes sources du jeu, donc je vais vous présenter ça. Je vais vous parler aussi des rappeurs américains. Et je vais vous parler d'un lama gonflable. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te souhaite un bon visionnage. Je vais donc commencer par le lama gonflable. Alors vous pouvez le savoir que sur Fortnite, il va y avoir un événement Halloween qui a déjà entre guillemets commencé parce qu'il y a des décorations un peu partout qui apparaissent dans la map. Et là, un utilisateur a découvert dans les codes sources du jeu une nouvelle sorte de décoration pour Halloween, bien sûr pour l'événement qui arrivera fin de ce mois-ci. Et c'est un lama gonflable, comme vous pouvez le voir, que je vous ai mis à l'écran. C'est une sorte de décoration gonflable comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche, mais ce sera en forme de lama. On ne sait pas quand ça arrivera ni les dates qui vont sortir parce que Fortnite quand il sort des décorations comme ça, il n'annonce rien du tout. C'est à nous de le découvrir, donc si jamais vous en découvrez, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à dire le lieu où vous l'avez trouvé bien sûr. Maintenant on va parler des rappeurs américains les potos parce que les rappeurs américains accusent Fortnite d'avoir volé leur danse. C'est vraiment hallucinant. Je vous mets une photo d'un rappeur qui a justement fait la danse comme vous pouvez le voir sur l'image de droite, et quand il fait cette danse par exemple en public, parce que c'est un rappeur assez connu quand même dans sa catégorie, et ben quand il fait cette danse, les gens l'associent directement à Fortnite, or que c'est entre guillemets lui qui l'a fait avant que Fortnite le fasse. Donc c'est vrai que ça pourrait porter à confusion. Les gens se référencient souvent à Fortnite parce que Fortnite est tellement connu. Tout ce que Fortnite fait, le monde en est entre guillemets au courant. Donc quand un rappeur moins connu, avec une moins grosse communauté que Fortnite, fait une danse, les joueurs de Fortnite associent la danse à Fortnite et croient que c'est Fortnite qui l'a inventé. Mais rien à voir, déjà Fortnite fait des variantes de danse parce que la personne se plaint justement qu'il ne crédite pas les danseurs. Donc lui en question par exemple. Mais il faut savoir que Fortnite ne recopie pas exactement pas pour pas la danse de ce rappeur. Et c'est ça que les rappeurs américains sont un peu dégoûtés parce que ils n'ont pas le libre droit sur leur propre pas de danse. Et ils ne peuvent rien faire contre ça parce que Fortnite ne les imite pas complètement. Mais c'est juste quand même incroyable que Epic Games, donc Fortnite, puisse s'approprier des danses de d'autres personnes, des célébrations par exemple de joueurs de foot ou d'autres. À chaque fois, Fortnite prend des idées chez les autres, se les approprie. Franchement, je vais pas vous mentir que c'est quand même un peu dégueulasse, mais voilà, c'est comme ça, c'est le monde, il est comme ça, on peut rien y faire les mecs. Il y a des gens qui méritent plus et ils ont moins, et il y a des gens qui méritent moins et ils ont plus. C'est comme ça et on pourra rien y faire. Enfin bref, maintenant on va parler du nouveau mode 50 contre 50, une nouvelle variante qui va peut-être faire son apparition sur Fortnite. Alors je dis bien peut-être parce que ça a été trouvé dans les codes sources du jeu et Epic Games peut très bien renoncer à cette idée. Alors le nouveau mode 50 contre 50 s'appellera le Seize Pack, qui veut dire saisir un pack, donc saisir un drapeau. C'est un peu là l'idée. Alors comment ça va se passer? Tout simplement, les deux bus 50 contre 50 vont traverser la map. Donc ça c'est mon hypothèse bien sûr. Il y aura un drapeau au milieu de la zone. Donc voilà, comme le 50-50 naturel, sauf qu'il y aura un drapeau et il faudra l'amener du point A au point B. Et c'est là la complexité de la chose. C'est que je suppose que le drapeau sera toujours visible pour les ennemis et pour les alliés bien sûr, mais les 50 personnes vont devoir protéger le drapeau et se battre pour justement
avoir le drapeau et l'apporter au point B. Et je pense que ça va donner un petit plus au 50 contre 50, ça va changer un peu les choses, ça va donner une meilleure expérience de jeu d'équipe et je pense que c'est une très très bonne idée de la part de Fortnite s'ils le mettent bien sûr en place. Donc voilà pour cette information. Maintenant on va passer à une autre information, un Pokémon est apparu dans Fortnite. Oui, vous avez bien entendu, Salamèche les potos est apparu dans Fortnite et franchement il est quand même super bien fait. Donc là je vous montre une image, voici le Salamèche que un utilisateur de Reddit a créé sur téléphone les potos. Alors il faut savoir qu'il est tout seul, il lui reste 1 minute 9 avant que la zone commence à démarrer et il a fait ça en terrain de jeu bien sûr, mais il était tout seul donc ça a dû quand même être difficile de faire ce Salamèche en étant tout seul, mais cette personne a réussi les potos et franchement gros good game à toi pour ce joli travail. Et maintenant je vais vous parler de ce que vous attendez tous, c'est comment survivre à une bombe collante. Vous le savez déjà, quand une bombe collante vous touche, vous avez plus que 3 secondes avant de mourir. À peine le temps de faire une petite salutation pour dire allez ciao peace et puis vous êtes mort. Si bien sûr vous n'avez pas de shield parce que la grenade collante fait 100 de dégâts. Alors là, je vais vous présenter un bug pour résister à cette grenade collante. Mais faut savoir que ça va sûrement être patché parce que ben, c'est pas loyal. Si moi, j'arriverais à mettre une bombe collante sur un ennemi, j'aimerais bien qu'il meure. Ça ne me plairait pas qu'il utilise ce bug contre moi. Donc, je vous montre ce bug. Mais franchement, de toute façon, c'est très délicat à faire. Il faut déjà avoir les réflexes, la lucidité d'y penser. Mais bon, voilà, je vous présente quand même le glitch. C'est un petit glitch. Je pense que ça va pas vraiment gêner et emmerder la communauté. Donc voilà, je vous mets la vidéo. Maintenant, ça parle d'elle-même. Vous pouvez voir que le joueur va se faire coller une grenade collante sur lui-même. Et pour l'esquiver, regardez bien ce qu'il fait. Il crée une pyramide qui se cache à l'intérieur de la pyramide. On peut bien apercevoir que la pyramide n'est toujours pas construite parce qu'elle clignote en jaune. Mais la grenade n'arrive pas à toucher le joueur en question. Donc, si vous avez bien compris, la construction fait bugger la grenade. La grenade explose mais ne fait pas de dégâts au joueur. Et apparemment, d'autres utilisateurs Reddit ont dit que ça fonctionnait aussi avec un mur ou un escalier. Et ça fonctionne avec n'importe quel matériau. Donc voilà, profitez-en avec modération les potos, n'en exagérez pas. Je ne suis pas fan du tout des glitches en multi, mais là ça va, c'est pour survivre. C'est pas encore trop méchant, ça vous donne pas vraiment un avantage pour tuer les autres. C'est juste un petit avantage pour vous aider à survivre. Donc ça va, c'est assez safe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour la team Sois Cool, donc ceux qui restent jusqu'à la fin et qui ont regardé toute la vidéo, vous pouvez mettre un hashtag The Best en commentaire pour dire que c'est vous les best, c'est vous les meilleurs et pour me faire comprendre que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo les potos. Donc merci à vous et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool au mic et ciao. Peace. I'm Nick, bruh. I'm Nick, bruh. I'm Nick, bruh.